J'ai vraiment mal au cœur. Et j'ai vraiment honte de plusieurs personnes qui continuent à suivre ce roublard de Kamto Maurice. C'est le fanatisme. On ne raisonne pas. On suit. On suit et on se perd. Et on perd tous. Quel leader, mesdames et messieurs de l'UNDP, choisirez-vous entre Béroumba, que vous avez déjà choisi, calme, pondéré, réfléchi, responsable. Et un autre qui marche dans la rue, a conduit ses états en prison et ses états à conduire aux enfants. Quel choisirez-vous? Vous êtes les pères et vous êtes les mères. Choisirez-vous un leader qui va amener vos enfants dans la paix, dans la prison, et qui viendra? Donc, ce que je dis, c'est que le leadership s'accompagne avec la responsabilité. Peut-être que vous avez raison, je vais passer la parole à vous. Donc, je vais chuter par là pour dire que la responsabilité, ça s'assume. Il faut assumer. Lorsque vous battez en Occident, en Europe, votre campagne, et que finalement vos militants vont saccager nos ambassades pour approcher votre photo, ne voulez pas que les gens vous les attendent. Salut peuple camerounais, salut à tous les résistants camerounais, salut à tous ceux qui se battent pour la justice sociale dans notre cher et beau pays, le Cameroun. J'ai vraiment mal au cœur et j'ai vraiment honte de plusieurs personnes qui continuent à suivre ce roublard de Kamto Maurice. Nous avons fait tous ces efforts pour bâtir une démocratie. Le moment venu, il y aura des candidats. Je crois que l'idée de préparer quelqu'un, ou c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie. Les Camerounais sont assez mûrs, ils pourront, au moment venu, choisir. Il n'y a pas de dauphin, donc? Je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal.